Bonjour. L'expérience Détroit vous souhaite la bienvenue. Je suis l'hôtesse Android qui vous guidera. Avant de commencer, vérifions quelques réglages pour optimiser votre expérience. Ces paramètres de langue ont été détectés sur votre système. Sont-ils corrects? Oui, écoute, tout est correct pour moi. À peine on commence le jeu et on lance le jeu, il faut déjà tout régler, quoi. Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop et aujourd'hui on se retrouve pour la première partie sur le let's play de Detroit Become Human sur PlayStation 4. Alors oui, donc Detroit, donc qui est un autre jeu Quantic Dream, hein, à peu près du même style que Heavy Rain que j'avais fait d'ailleurs précédemment. D'ailleurs je vous invite si vous voulez à regarder le let's play d'Heavy Rain si cela n'est pas déjà fait. Et donc on s'attaque à Detroit, donc Detroit donc qui est pareil, un film interactif. Où il faudra suivre une histoire. Et je vais vous dire un truc, je suis vraiment moins à l'aise avec Detroit qu'avec Heavy Rain. Heavy Rain, je connaissais encore très bien l'histoire. Mais franchement, Heavy Rain, je connaissais vraiment très bien l'histoire. Alors que Detroit, je connais vraiment moins. Donc là, ça va être plutôt une plus grosse découverte pour moi qu'Heavy Rain sur ce jeu-là. Alors les sous-titres, on va mettre en petit, hein, je pense que ça ira très bien. Hein, on va pas mettre en gros, hein. On va laisser en petit. Sauvegarder les modifications, oui. Ajuster vos paramètres d'écran. T'as par contre une manette qui fait déjà du oui quoi. Alors luminosité, ajuster le niveau jusqu'à ce que l'icône centrale soit à peine visible. Bon, c'est très bien comme ça, on va laisser comme ça. Sélectionnez votre profil. Alors expérimenté ou occasionnel. Ah, alors je veux surtout de l'immersion avec des commandes avancées un peu plus corsées où les erreurs peuvent mener à la perte d'un personnage. Je veux une histoire avec des commandes simplifiées, un défi plus abordable avec moins de chances de perdre un perso. Ah. Écoutez, vu qu'on a fait Heavy Rain, je crois qu'on l'avait fait en mode normal, je crois. On va tenter là le coup, on va tenter d'expérimenter. Comme ça, là vraiment nos erreurs vont vraiment jouer et ça risque d'être plus grave. Quand ce symbole s'affiche à l'écran. Vous pouvez maintenant commencer Detroit. N'oubliez pas, ce n'est pas qu'une simple histoire. Ceci est notre avenir. Bien madame. Oui, donc vraiment, Detroit, je connais un peu moins bien qu'Heavy Rain, donc on verra ce que ça donne. Alors, 15 août 2038, 20h29. Alors je connais un petit peu Detroit, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai même fait la démo du jeu à l'époque. Mais là j'avoue je sais pas ce que ça va donner pour moi, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Le négociateur vient d'arriver. Je répète, le négociateur vient d'arriver. Ok d'accord. Alors se déplacer avec le joystick gauche. D'accord. Ah bah ça c'est ce que j'avais fait pendant la démo, ça je me rappelle très bien. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un androïde? Venez madame, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez envoyer un véritable être humain. Éloignez cette droïde de ma fille. Ne laissez pas ça. Alors, Goramin. On peut toujours les sauver, allez. On vient de sauver un poisson. Incroyable. Loul. Ok, instabilité du logiciel. Alors, trouver le commandant Allen. Maintenez R2 pour consulter les objectifs. D'accord, donc le commandant Allen se trouve là-bas. Oui, donc ça, c'est ce qu'il y avait dans la démo, hein. Je me rappelle très bien. Mais il est là le commandant. T'as les personnages sont lourds encore hein. Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Alors non, j'ai vu un comportement. S'il s'est déjà comporté étrangement auparavant,
J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose? J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Choc émotionnel, code de désactivation. Peut-être un choc? S'il a récemment vécu un choc émotionnel. Écoute, la priorité c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Ok, probabilité de réussite 48%, chaque seconde compte. Comprendre ce qui s'est passé ou sauver l'otage à tout prix. Non, non, on va sauver l'otage. Chaque seconde compte. Ok, examiner les victimes. Bon. Ok, utiliser le joystick droit. Ok. Une fois que c'est fait, triangle. J'ai même pas eu le temps de voir. Hémorragie interne, d'accord. Là. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, blessure par balle, rein gauche. Oui, mais je m'en fous. Décédé John Phillips. Ok. Il me manque un indice. Il est là. Hémorragie reconstituée. Ok, donc on va reconstituer la scène. Ok, c'est fait tuer Dodo, c'est ça? Ah non, le père tenait quelque chose. Et c'est après qu'il s'est fait tuer. Oui. Attendez, faut que je me déplace là-bas, on est d'accord. Ah non, il faut que je déplace. Ah oui, d'accord, faut que je regarde là-bas, d'accord. Reconstitution terminée. D'accord. Donc il a lâché un truc là-bas, d'accord. Mince. J'ai pas eu le temps de voir ce qui était écrit. C'est pas grave, j'appuie sur n'importe quoi, moi. Voilà, donc là en fait c'est la manette là qui vient de parler. Hein. Mais vous avez vu les sous-titres en dessous. Probabilité de réussite 58%. Vous avez débuté un dialogue. Putain. Ou une action souvent bénéfique. Putain la vache. Ok, donc le déviant allait être remplacé. D'accord. Probabilité de réussite. Localiser l'otage. Fouiller la chambre de l'otage et examiner les victimes. Bon, ça c'est fait. On peut sortir? Oui. Voilà, l'otage est là-bas. Vas-y, sors. Faut aider la gamine quand même. Oh la vache! Ok. Fais pas un pas de plus ou je saute! Non, ne fais pas ça! Je t'en supplie! Allez, allez, allez! Là, il y a beaucoup plus de réactions dans la manette, là. Je vous le dis franchement, hein. Ok, j'ai tout raté en fait, d'accord. Oh putain. Déviant instable 42%. Approchez lentement et gagnez la confiance du déviant. Calmer, libérer l'otage, rassurer Daniel, compatir. Enfin, compatir. Tout comme toi. Je sais ce que tu ressens. Quelle différence ça fait que tu sois un androïde? T'es dans leur camp. Tu peux pas comprendre ce que je ressens. T'approcher? Cause possible. Il voulait te remplacer par un autre androïde et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais que j'étais parti de la famille. Oh merde. Je croyais que je comptais. S'il vous plaît. Mais c'était que leur souhait. Aidez-moi. Un objet dangereux une fois qu'on l'a utilisé. Réaliste, accusateur, compatissant. On va être compatissant. Écoute. Je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non, c'est pas ma faute. J'ai jamais voulu ça. Je les aimais. Tu vois? Mais j'étais rien à leurs yeux. Rien qu'un esclave à qui on donne des sens. Il perd du sang.
Si on ne le conduit pas à l'hôpital, il va mourir. Tous les humains finissent par mourir. Quelle différence si celui-ci meurt maintenant? Je vais lui poser un garrot, d'accord? Ne touche pas. Touche-le et je te tue. Ignorer, obéir. Non, j'obéis. D'accord. Par là, l'otage. Tout va bien, Emma? S'il vous plaît, aidez-moi! On veut pas mourir! Personne ne va mourir. Reste calme, tout va bien se passer. Je peux plus supporter ce bruit! Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! Ah! Oui, ok. Vas-y, va-t'en. De la confiance, voilà. 72% de réussite, bien. Dernière chance, inspirer la confiance rationnelle. On va inspirer la confiance. Tu dois me faire confiance, Daniel. Libère l'otage et je te promets que tout se passera bien. Ok, 78%. Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir. Se sacrifier, trouver un compromis, refuser. Trouver un compromis. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. Ok, ça monte. Je veux pas mourir. Se sacrifier, rassurer. Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter. Ok, 100%, bien. Tu as ma parole. Vas-y, laisse-la tranquille. Ok. Je te fais confiance. Ok. C'est bon, il a l'air de s'être calmé. Vas-y, lâche-la. Ok. Oh putain! Ok, pour le tuer, bon. Tu m'as menti, Connor. C'est pas moi qui a voulu tirer, hein. Bon, au moins la gamine elle est sauve. Mission accomplie, ok, bien. Bon, par contre, t'as un gars à côté là. Ok, il a l'air de s'être occupé de lui. Enfin, j'espère qu'il est vivant le gars. Hein. J'espère pour lui. Voilà, et on vient de finir l'intro du jeu. Donc voilà, en fait, c'est ce qu'il y avait dans la démo. Alors, voici la reporescence de la scène. Ici, vous pouvez consulter les chemins que vous avez pris, ce qui reste à explorer et les possibilités que vous avez déverrouillées. Chaque embranchement vous confère des points à utiliser dans les suppléments. En raison de la nature du jeu, certains embranchements et dénouements ne sont pas pris en compte dans l'avancée de l'arborescence. Ok, mission accomplie. Premier trophée, pardon, mission accomplie. Alors voilà, donc tout ça c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, la prise d'otage complétée à 40%. Et j'ai obtenu un nouveau trophée, merci. Alors début de la mission, parler au commandant, sauver le poisson. Voilà, donc là je pouvais chercher les indices si je voulais, mais bon, j'ai pas cherché grand chose en indice. Membre du SWAT blessé, confronter le déviant, approcher amical, renvoyer l'hélico, laisser le policier blessé, ouais j'avais pas trop le choix. Et après j'ai menti au déviant, ouais. Approcher suffisamment, approcher au déviant, réussir à gagner sa confiance. Donc ouais, et là il y avait 4 fins possibles. Non, 5 fins possibles apparemment. Ouais, il y avait 5 fins possibles. Voire même 6 apparemment, ouais 6 fins possibles qu'il y avait, 6 fins possibles. 6 fins possibles, donc j'ai fait une seule des 6 fins, hein, logique. Donc là j'ai fait la fin des snipers ont abattu le déviant. Donc je parie que dans les 6 fins il y avait sauter avec lui, est-ce qu'on pouvait se sacrifier aussi. Donc il y avait sauter avec lui, il y avait certainement rater la mission si la gamine se faisait tuer, enfin voilà. Je pense qu'il y avait des trucs dans ce genre là. 5 novembre 2038, 15h24. C'est un assistant ménager haut de gamme. Il connaît 10 000 recettes. Allez Zoé, on y va. 200 langues, 1000 dialectes. Et vérifie les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Bonjour. Wow. Ok, donc apparemment... En ce moment, nous faisons... Oh là. C'est ça, on a un nouveau robot. À 7 999 dollars. Règlement en 48 mois.
Il effectue absolument tout l'entretien domestique. Peinture, plomberie, jardinage, réparation, la nuit... Voilà, donc ce jeu va aussi jouer surtout donc, sur les androïdes, le futur, etc. Vous l'avez compris. Excusez-moi, combien coûte celui-là ? Le prix du même pays semble plus élevé, mais il a beaucoup de fonctions. Merci. Ah ouais, $3000 quand même, hein, c'est pas donné. Hein. J'ai pas trop sa tête. Et voilà. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà ? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Ah, je vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom ? Ma fille, oui. AX400, enregistre ton nom. Kara. Je m'appelle Kara. Kara, quel joli nom. Allez, je vous laisse un petit peu avec l'intro du jeu et on se retrouve après. Allez chercher le popcorn, les mecs. Loul. 5 novembre 2038, 9h38. Alors, se rendre... Pardon, je me suis gouré de touche. J'ai maintenant trop l'habitude d'y virer maintenant. Attendez, on peut lire le journal là ? Oui. Alors, vous pouvez lire à nouveau les articles découverts dans la section supplément. Alors, d'ailleurs, ce qui est pas mal avec ça, c'est que là, on va jouer beaucoup avec la manette. Donc là, je bouge en fait le... Comment ? Le pad, on va dire, de la PS4. Voilà, je vous laisse lire. Hein. Si vous voulez lire, n'hésitez pas à lire. Hein. Voilà, moi je vais pas tout dire non plus. Hein. Voilà. Si vous voulez lire, n'hésitez pas. Ah, mais j'ai trop l'habitude d'y virer une punaise. J'ai trop l'habitude d'appuyer sur R2 pour bouger la caméra. Alors, récupérer la commande à la boutique. Avant ça, on peut faire un petit tour dans le parc, non ? Ah, non, la boutique Béliniste, pas... D'accord. Ok, on va rester bloqué, bon, c'est pas très grave. Hey, de l'eau. Vous avez couru 20 km, encore 8 pour atteindre votre objectif.
Voilà, excusez-moi pour la petite attente. J'avais une petite chose à régler. Attendre que le feu soit vert. Oui, il faut toujours attendre que le feu soit vert, les enfants. Hein. Pas traverser quand le bonhomme est rouge. Hein. Voilà, ça y est, c'est vert. Je peux traverser? Oui, merci. Alors, appuyez sur R2 pour utiliser le GPS. Oui, merci, c'est ce que je viens de voir. D'accord, avec R1, on peut changer de caméra. Et L1 et L2 ne font rien. Alors, la boutique Bellini, elle se trouve où, cette boutique? C'est très joli, n'empêche. Hein, c'est très beau. Ah, la boutique Bellini n'est pas là. Alors, elle est où, cette boutique? Ah, là, Bellini Paints. Ok, c'est là. Bellini. Alors, récupérer le paquet. Allons-y. Identification vérifiée. Voici votre commande numéro 847. Ça fera $63.99. Merci de confirmer. Paiement confirmé. Transaction effectuée. Merci. Et bonne journée. Loul. Ah maintenant je dois faire quoi? Prendre le bus pour rentrer. D'accord, ça c'est pour changer l'angle de la caméra. Ok, le bus ne se trouve pas là, d'accord. Un drone. Là, vous imaginez si tout fonctionnerait comme ça dans 30 ans quoi. Dans 20 ans, dans 30 ans. Bon, on sait très bien que ce sera jamais possible hein, mais... On n'aura pas un futur comme ça dans 30 ans. Hein. Déjà que dans les années 80, on pensait qu'en 2020, on aurait des voitures volantes, etc. Bon, alors, on en a déjà hein, des voitures volantes, hein, mais on n'en a pas non plus 50 000, quoi. On a 5, 6, on a que des prototypes, quoi. Non, l'arrêt de bus qu'on a dit, pardon, c'est là. C'est pas ça? Non, c'est en face. C'est pas là du tout, c'est en face. C'est où? Là-bas? Non, ça c'est pour écouter le mec qui joue de la guitare, ça. Bah oui. Ah non, c'est là-bas, 43 mètres. Ça t'a de ferraille. Sans déconner. Hé hey, tout le monde, regardez ça, on a un tas de ferraille par ici. Ah putain. Regardez-moi ce petit fils de pute. Tu voles notre taf, mais tu peux même pas tenir debout. Oh là là. Oh putain. Enfin, en même temps, c'est un peu normal. Hein. C'est des mecs qui ont perdu leur boulot à cause d'eux. Ah, c'est un peu normal. T'as nulle part où aller. On va te défoncer ta petite gueule. Ouais, démonte-le. Vas-y. Ok. Ça suffit. Laissez-le tranquille. On lui donne une leçon à ce fumier. Si vous l'abîmez, vous aurez une contravention. C'est votre boulot qu'ils prendront ensuite. On verra si ça vous plaît. Ok. Allez, circulez. Ouais. C'est pas rassurant du tout, n'empêche. Hein. Mais ça se comprend, ça se comprend. Ça se comprend, hein.
Ah, là, le bus qui arrive. Entrons. Ah oui, d'accord, il y a un... D'accord, en fait, les bus... C'est ça, en fait, l'avant du bus, c'est pour les humains, l'arrière, c'est pour les androïdes, d'accord. Chacun sa place, quoi. Alors voilà, ce qui va aussi changer un peu d'Ivy Rain, c'est que dans Ivy Rain, on incarnait des humains, des vrais humains. Là, c'est pas le cas, parce que là, on va contrôler des androïdes, donc ça risque de changer un peu. Alors, on va avoir un petit peu promenade dans le parc, lire le secret des androïdes, écouter le musicien de la rue. Ok, il y avait un autre truc à faire, je l'ai pas fait. Se rendre à la boutique de peinture, là, il y avait un autre truc aussi, je l'ai pas fait. Récupérer le paquet, les manifestants harcèlent Marcus, et Marcus a pris le bus. Bon, là, il n'y avait qu'une seule fin possible, donc là, je ne risquais pas grand-chose. Ok, petit temps de chargement, et on continue. 5 novembre 2038, 16h53. Ok, donc de retour avec Kara. Ah, par contre, le type à côté, il n'a pas l'air commode, n'empêche, hein. Oh putain, puis la baraque, quoi. Ah, on a attendu. Oh, pardon. T'as le réflexe. Faut que j'oublie que c'est le réflexe d'appuyer sur R2 à chaque fois. Alors, suivre Todd. T'as été absente 2 semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper de... Ah, bordel, elle est où, cette sale gosse? Ah, te voilà. Voilà, Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Ok. Ok, tâche urgente, ramasser les déchets, ramasser la vaisselle, allumer l'aspirateur, inspecter le jardin. Bon, on va faire tout ça, hein. Ah. La vaisselle ne fonctionne pas, il manque des trucs. Allumer télé. Ok, il y a un commandant. Ok. Ça marche. Ensuite, il y a quoi? Ramasser la vaisselle, allumer l'aspirateur, faire le jardin. Alors, la vaisselle. Oui, évidemment, faut que je débarrasse. Ah, nom de Dieu. Alors, la table, la table. Mettre les déchets dans la poubelle. Prendre la poubelle, tâche urgente, oui. Attends, on va débarrasser un petit peu tout ça, là. Ah, la petite Alice, elle redescend. Téléphone sonne, par contre. Ouais. Ah, c'est pour lui, d'accord. Ça dépend, est-ce que tu veux. Ouais, faut que je fasse quoi, là, comme action? Ouais, mais si on m'explique pas les commandes, moi je risque pas de savoir, moi. Ouais, même endroit, tu sais où. Ah voilà. Faites tourner lentement la manette dans la direction suivante. D'accord, c'est comme ça en fait, d'accord. Ok. Faites glisser le doigt à répétition sur le pavé tactile pour interagir, d'accord. Ok. C'est le début du jeu, hein. Il faut quand même apprendre un minimum les touches, les gars. Hein.
Ok, Alice, j'ai une flèche à l'eau, donc ça veut dire qu'elle m'apprécie. Certainement. Vas-y, continue à faire la vaisselle. Ça, ça fait drôle de caresser le, le pad de la PS4, quoi. Kara, oui, Todd. File-moi une bière fraîche. Tout de suite. Ah. Oh, putain. Alors, une bière. Merde, raté. Hop, voilà. Vas-y, la bière. Alors, tiens. Non, posez. Voilà. Tiens, voilà ta bière. Et picole pas trop, s'il te plaît. Merci. Alors, qu'est-ce que je dois encore faire, moi? Allumer la spie et inspecter le jardin. Déjà la poubelle, ouais. Vas-y, donne-moi la poubelle. Hop. Alors, ramasser les déchets, nettoyer la cuisine, le comptoir, la table basse. Ouais. Donc ça, c'est fait. La cuisine. Voilà. Et la table basse. C'est un hashtag femme de ménage, quoi. Ok, impeccable. Alors, prendre le sac. Enfin, les sacs. Et sortir les poubelles. Allez, dans les poubelles. Voilà. Impeccable. Poubelle sortie. Ok, j'ai une autre tâche urgente à faire. Vers la maison. Les câbles. Se présenter à Todd, oui, si tu veux. Mais avant ça, j'ai autre chose à faire, moi. Allumer l'aspirateur pour vérifier le jardin. C'est quoi ça? Terminer le premier étage. Non. On va vérifier le jardin avant. Alors, ramasser le linge. On va essayer de tout faire correctement, hein. De toute façon on a le temps. Hein. Ouais, on va peut-être prendre la... le panier là, ouais, voilà. Hop. Et on y va pour le linge. Alors, refaire la lessive. Tiens, je peux y parler à... Ça, c'est dégueulasse ici, par contre. Hein. Vas-y, avance. Est-ce que je peux lui parler? S'agenouiller. Jeu, jardin, météo, école. Ah ok, Alice neutre. Tu n'as pas école aujourd'hui? Ah, j'ai l'impression que... Bon. En même temps, elle avait l'air contente que je lui parle. Alors, refaire la lessive. Oui, mais c'est où la lessive? À l'intérieur, certainement. Alors, la lessive. Ah bah oui, c'est là. C'est là, bien, impeccable. Caméra. Non, caméra. Non plus. Putain. Voilà, pose-moi ça. Vas-y, prends le linge. Et on pose tout ça dans le linge. Par contre, j'entends Todd qui crie là. Je sais pas s'il va bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est du sang? Ah non, Red Ice. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est... Oh! Tu devrais pas fouiller dans mes affaires. Ça risque de m'énerver. Je suis désolée, Tom. Ne mets pas ton nez dans mes affaires. Sauf si tu veux me mettre en rogne.
Tu veux me mettre en rogne. Non, Tony. C'est bon, je viens d'être réparé, je suis pas encore au point, hein. Ouh. Alors qu'est-ce qu'on a encore ? Ok, là je l'avais à nouveau. Se présenter à Todd et faire l'aspirateur. Alors où est-ce qu'il est cet aspirateur ? Je ne sais pas. Ah, mais à chaque fois, je... Bon, on va se présenter à lui. Hein. J'ai bien avancé ici. Je vais aller voir là-haut. Fais ce que t'as à faire, mais arrête de me gonfler. Oh, ça va. T'es saoulant, toi. Ok, il a l'air de se droguer aussi, lui. Oh là là. Alors, ranger la chambre de Todd, d'Alice et nettoyer la salle de bain. On y va. Tu peux monter, Kara, s'il te plaît. Merci. Alors, faire le lit, ranger la pièce, blablabla. Bla bla. Bon. Ouais, putain, c'est simulateur de femme de ménage, quoi. Ah, on peut lire ? Ah, il est sport, lui. Un quarterback androïde. Ouais. Je vous laisse lire, hein. Si vous voulez lire, faites pause. Hein. Le prix de la vie. Ouais. D'accord, si vous voulez. Allez, range-moi tout ce bazar, là. Il a l'air d'être passionné de musique, le gars. Alors, le lit. Oh, je regarde mon chrono, on approche déjà des 40 minutes. Ça passe vite quand même. Hein. Ça passe vite. Alors, il fait... Qu'est-ce que c'est que ça ? Allumer la télé. Et maintenant, le sport. Les chiffres du ministère du Temps. Ouais, bon, on va peut-être pas regarder la télé. Hein. Ça risque de l'énerver. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire là-dedans ? Ranger la pièce et l'aérer. D'accord. Tiens, il y a encore des choses à ranger, là. Il y a de l'alcool partout, quoi. J'ai pas fini de ranger. Bon, aéré. Hop là. Toujours aéré une chambre. Toujours. Ok, pièce aérée. Oh, qu'est-ce qu'il vient de ramasser? Ok, c'est allumé en jaune, donc elle a dû être contrariée par quelque chose. Mais par quoi, je ne sais pas. Ok, pièce rangée, c'est bon. Oh! Putain, mais il va se calmer, le gars. Oh putain, mais non, faut que je nettoie ses chiottes derrière lui. Non, mais c'est bon, là, mon gars. Ok. Alors, la salle de bain, ranger les bouteilles, ranger le linge sale. Bon. J'ai une lessive qui tourne déjà. Ok. Linge sale rangé. Laver le sol, ranger les bouteilles. Ok, les bouteilles, c'est bon. Le sol. T'as, faut vraiment être au milieu du pad. Hein. Si vous êtes trop à droite ou trop à gauche, ça ne marche pas. Hein. T'as la vache, quoi. Ok, sol lavé. Nettoyer la salle de bain, c'est fait. Toilette nettoyée, c'est fait. Je voudrais juste ranger un peu ta chambre. Ça ne sera pas très long. Ça ne t'embête pas, Alice ? Non, bah vas-y.
aérer la pièce. Ah. Vous avez débloqué un dialogue ou une action spécifique. Ok, parlez à Alice. Tu peux lui parler s'il te plaît ? Merci. Factuel amical diplomate, on est amical. Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir ? Kara, passe-temps silencieuse maman. T'as un passe-temps ? Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire, où tu aimes aller, tes plats préférés. Ça m'aiderait beaucoup. Kara, silencieuse maman. Plus silencieuse, non ? Très silencieuse. J'espère que je ne te fais pas peur. Maman, Kara, laissez tranquille. Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Kara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi ? Ah, déverrouillage du chemin. Oh. Elle m'a donné un truc. Ah, une clé. Mais que ouvre cette clé ? Ok. Ah, c'est sa boîte à trésors. Hein. Ok, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Ok, un trèfle à quatre feuilles. Attendez, je reviens tout de suite, bougez pas. Alors, une photo. Oula, si c'est Kara. C'est Kara avec son père. Oula, elle a pas l'air d'être très... D'accord. Ok, donc c'est pas du tout un accident. En fait, c'est vraiment lui qui a... Oh là là, d'accord. Ok. En fait, c'est lui qui a osé m'abîmer, quoi, en fait. C'est ça, en gros. Hein. Ah, il y a un truc à regarder, là. C'est quoi, ça ? Alice au pays des merveilles. D'accord. Voilà, change la caméra. Elle enjambe carrément le livre, quoi. C'est bien foutu. Ok. Bon, bah écoutez, on va aller reparler à Todd. C'est vraiment, je crois qu'il y a que ça à faire. Hein. Et on va voir un petit peu ce qu'il va nous demander. Qu'est-ce que tu fiches ? Je m'amuse. Tu t'amuses ? Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein ? Un pauvre loser qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions ? Mais quoi que je fasse, y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air ! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, pareil. Dis-le ! Tu me détestes ! Mais t'as pas honte de faire pleurer ta fille ? Des gros soucis quand même. Hein. Aïe aïe aïe. Ok, j'ai obtenu un nouveau trophée secret.
Alors, voyons voir un petit peu ce qu'on pouvait faire dans cette zone. Alors, bienvenue à la maison. Rejoindre Todd, nettoyer le rez-de-chaussée. D'accord, il y a juste l'aspirateur que j'ai pas fait. Donc, à mon avis, avec l'aspirateur, il a dû s'énerver ou un truc du genre. Mettre Todd en colère. D'accord, il y avait deux autres zones que j'ai pas fait. Tandis que ma manette vient de me lâcher. Bon, c'est pas grave, c'est la fin de l'épisode, de toute façon. Ah, flûte. Voilà, impeccable. Voilà, excusez-moi pour la petite attente. Voilà. Donc, on a bien sorti les poubelles. On a demandé la permission de monter. On est monté à l'étage. Ok, on a tout fait. Ah, il y avait un truc à faire après avoir nettoyé la chambre de Todd. Ok, je l'ai pas fait. Ok, nettoyer la chambre d'Alice, aérer la pièce. Kara découvre un moyen de descendre. Ah oui, oui, c'est vrai, d'accord, oui, d'accord. C'est pour ça qu'elle a ouvert la pièce. Elle a vu qu'elle avait un moyen de descendre, d'accord. On peut descendre par la fenêtre. Parler avec Alice. Alice donne une clé à Kara, ouvrir la boîte d'Alice et le ménage a été terminé. Donc ça, c'est la légende, d'accord. Bouleversement. D'accord, ça marche, succès, échec, événement mort, d'accord. Non, ok, pour terminer. D'accord, et on peut même voir les stats du monde, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe. Alors qu'on faut qu'on regarde un petit peu. D'accord, donc ça c'est vraiment les gens, ce qu'ils ont fait. D'accord, oh, c'est sympa, de voir tout ça. Bien. Allez. Bon, bah écoutez, non, on va faire pause. Voilà, on va faire pause. Voilà, bah écoutez, ouais, on a 50 minutes, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Bon, qui aurait été un petit démarrage, hein. De toute façon, ça aura pas été un gros... On va confirmer. Ça aurait pas été un gros truc pour ce début d'épisode, mais bon, en même temps, c'est le début, c'est l'intro. Donc c'est un petit peu normal qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors par contre, j'ai vu aussi que je ramasse des points. Je sais pas trop à quoi ça sert ces points, on va essayer de regarder ça tout de suite avant de quitter. Si on peut s'acheter des trucs. Alors, il y a quoi? Complément. Ah, c'est ça, voilà, supplément. C'est quoi ces suppléments là? La section supplément. En jouant, vous déverrouillerez toutes sortes de contenus à consulter ici. D'accord, donc on a des illustrations, des vidéos, une bande son, la galerie, magazine, sondage. Fais-moi voir un peu la galerie, s'il te plaît. Alors, c'est quoi ça? Choisir un personnage. Ah d'accord, c'est juste pour débloquer les personnages, d'accord, donc on aura 111 personnages à voir, d'accord. Et c'est peut-être donc pour les voir, d'accord. Illustration, c'est quoi? D'accord, c'est des packs d'objets, d'accord. Bah écoutez, je pense qu'on va essayer de déverrouiller un petit peu les premiers objets. Voilà, et je pense que pour chaque épisode... Ok, verrouiller, je sais pas comment on les déverrouille. Et donc là, je suppose que c'est des images. C'est bien ça, donc comme Heavy Rain, bah, je pense qu'on va faire comme ça, c'est-à-dire que comme Heavy Rain, à chaque fin d'épisode, je pense qu'on regardera un petit peu ça, les différentes images du jeu, pour que vous puissiez en voir un petit peu ce qui se passe. Donc ça c'est l'intro, ouais, ça c'est le premier truc avec Connor. La valise, ouais, c'est la valise du SWAT, d'accord, ça c'est l'appartement où la personne a été tuée, ça c'est Connor. D'accord, les différents styles de Connor, si vous voulez. On peut masquer le cadre? D'accord, pour voir un petit peu plus le truc. On va masquer le cadre, comme ça on verra un petit peu plus en détail. D'accord, donc ça c'est un androïde qui se fait tuer très certainement. Hein. Ça, c'est bien foutu, n'empêche. Hein. Ok, alors lui, je sais pas qui c'est. Ah si, d'accord, c'est la personne okay, qui a pris l'otage, d'accord. Ok, excusez-moi. D'accord, les différents flics. Là, vous imaginez bientôt avoir des flics qui ont cette gueule, quoi, sans déconner. Oh, la vache, quoi. Ok, les armes du jeu. Les flics. Ok, ça, c'est le magasin où on s'est fait réparer. Ok, l'arrivée à la maison de Todd. Ok, le jardin de la maison. L'intérieur de la maison. La cuisine. Ouais, la buanderie, on peut dire ça comme ça. La chambre d'Alice. La chambre de Todd. Ok, Alice avec ses doudous, d'accord. Ah oui, donc à la base, Alice devait être comme ça. D'accord, ils l'ont un petit peu modifié. Pareil, ils ont dessiné plusieurs doudous. Bon, finalement, c'est le renard qui a été choisi. D'accord, les différentes tenues d'Alice. Oh, si, quoique, c'est la même, hein. Peut-être la même. Ok, elle, je sais pas qui c'est. C'est qui, elle? C'est Kara? Oui, ça devait être Kara, je pense. Kara à la base, d'accord.
Ok, ça je sais pas qui c'est, ça doit peut-être être Todd, peut-être, je ne sais pas. Enfin, il a visage flouté, c'est un petit peu bizarre, mais bon, passons. Ok. Ok, donc le pack 1 était déverrouillé. Bon, je... Ouais, le pack 3, on l'a pas encore vu ce que c'est, donc ce sera pour plus tard. Donc bientôt, il y aura le pack 2 qu'on verra dans le prochain épisode. Après, il y a quoi? Des vidéos. D'accord, court-métrage de Kara. Le premier teaser du truc à la découverte de Détroit. Ok, on va pas trop lire. Premier teaser. Tiens, peut-être à la fin du let's play, je vous mettrai comme Yviren le teaser du jeu, tiens. La bande-son. D'accord, de la première mission. D'accord. Et les magazines. Donc c'est tous les magazines qu'on a vus, hein, c'est ça? Magazine. C'est ça, donc si jamais on veut lire les magazines. D'accord. Il y aura 46 magazines à lire. Ok, d'accord, ça marche. Ça marche. Et le sondage, donc c'est les différents trucs qu'on a fait. Allons-y. Envisageriez-vous d'avoir une relation avec un androïde ayant une apparence humaine? Ah non, c'est vraiment un sondage à moi, pour moi, d'accord. D'accord, c'est vraiment à moi de demander un sondage. Ah bah ça, on le fera peut-être aussi en fin de let's play, ça, le sondage. Parce que moi, je vais pas trop tout vous dévoiler. Je pense qu'on fera le sondage. Je ferai moi-même le sondage peut-être à la fin du jeu. On verra comment ça... Ça donnera. Alors au niveau des chapitres... Votre schéma d'histoire personnelle. Merci. Les sections d'histoire que vous avez explorées et celles que vous avez manquées. D'accord. Aussi, vous pouvez consulter les choix des autres joueurs et effectuer plein d'autres actions. D'accord, donc ça permet de refaire les chapitres si on veut voir les différentes phases du truc. Pour rejouer n'importe quel passage de l'histoire. Mais les personnes qui m'ont conçu recommandent de finir le jeu au moins une fois sans revenir en arrière. C'est normal, logique. Peu importe ce qu'il arrive. Non mais c'est logique, enfin, c'est logique. C'est votre histoire. Oui je sais, mais c'est logique, tout à fait. De toute façon je reviendrai pas hein, dans les chapitres, ça c'est certain. Hein. Voilà, donc là on a commencé, on a fait 4 chapitres, ok, on a fait la prise d'otage, ouverture, nuance, un nouveau foyer. Et donc bah, dans le prochain épisode on enchaînera avec le peintre. Donc c'est pour ça qu'on a acheté de la peinture dans ce fameux magasin. Bien, allez on s'arrête là. Donc c'était top donc pour cette première partie sur Let's Play de Detroit Become Human. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et donc, bien comme je l'ai dit, dans le prochain épisode, on enchaînera avec le chapitre 5, le peintre. Et en attendant, bah, moi, je vous dis... À la prochaine, tout le monde !